Hey, coucou à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où on va découvrir ensemble les éléments qui constituent le nouveau kit Mriki Kits, hein, comme on peut les appeler, qui s'appelle Cuisine Rustique. Je vais donc regarder tout ça, on va meubler une petite maison rapidement. En tout cas, je vais mettre essentiellement en premier lieu le kit. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager et à essayer de gagner un code, puisque grâce au programme EA Game Changers, j'ai un code à vous faire gagner. Vous avez le concours en dessous dans la description. C'est tout de suite maintenant pour tenter de le gagner. C'est donc dans cette maison que je vais faire emménager la famille. J'ai déjà cru comprendre qu'il y avait un sol. Nouveau sol, nouveau. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque, des dalles. Et on a quand même quelques coloris très beaux comme le vert, le bleu vert, un beige, ah ouais, ça peut vraiment faire intérieur, extérieur, un rose, d'accord, très bien, pourquoi pas, après tout, un plutôt terracotta, je sais pas trop, un noir, gris, un kaki jaune, pourquoi pas, et un bleu, c'est vraiment sympathique, et d'après ce que je vois, vous voyez qu'il y a de ça clignote de temps en temps, il y a des petites étincelles, c'est pas un problème de votre ordinateur, je crois que c'est déjà le kit avec la poussière qui fait effet dans la maison, que je vais tester juste après. Et je trouve ça sympa. Je vais donc mettre cette couleur là, qui est une espèce de bleu vert foncé. Regardez-moi tous ces éléments. Quel bonheur. Oh oui. Oh, c'est joli tout plein. Faites-moi voir un peu ce qu'il y a comme coloris. Ça fait, oui, c'est rustique. Donc en fait, on a déjà le côté un peu usé de ces comptoirs. Et je trouve ça plutôt pas mal comme idée. Et vous avez quand même quelques petites couleurs. Ah, vous avez un naturel, ça me plaît beaucoup. Et vous avez quelques autres couleurs sympathiques. Très bien. En tout, il y a toutes ces couleurs ici. Ok, ben je vais faire ma petite cuisine. Voilà, je suis en train de faire ma petite cuisine et j'ai choisi le coloris jaune. Je sais, ça colle peut-être pas du tout avec le sol, mais pourquoi pas? Allons-y, découvrons toutes les nuances et toutes les possibilités de ce kit. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les meubles de coin. Il y a des petits rangements qui sont venus. Et ça, c'est un petit meuble que nous avons sur le côté avec le petit napperon. Je trouve ça adorable. Du côté des comptoirs de cuisine, je vais utiliser le côté un peu plus naturel. À le mettre ici, voilà, à côté du demi-mur. Oui, bah écoutez, je meuble à peu près rapidement, c'est pas grave si c'est pas beau, on s'en fiche. Pas de nouvelle chaise de comptoir, mais je vais ajouter celle qu'on a eue avec la dernière mise à jour des 21 ans des Sims. Alors, côté frigo, oui, nous en avons un nouveau. Oui, il fait vintage. Ah, oh là là, sympathique, sympathique. Attendez, je vais le voir en pleine nature, moi. Il y a des belles couleurs, hein. Il y a des belles couleurs sympathique qui change complètement. J'aime bien. Moi j'aime bien. En même temps, je suis très contente d'avoir des nouveautés pour la cuisine. Est-ce que je vais le mettre en jaune pour suivre? Allez, soyons fous, quoi, en jaune. Côté gazinière, oh, elle est superbe. Ah là là, elle est très 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 belle cette gazinière. Et nous avons différents coloris. Oh, pour un décade, c'est vraiment merveilleux, ça. C'est top. Et les coloris, écoutez, ben, on a du sobre, on a un petit peu plus coloré. Et j'ai envie d'utiliser la verte. Allez, on va se faire plaisir, on va mettre le frigo en vert également. Ça matche avec le mur derrière, pourquoi pas. En évier, oh, c'est un meuble comme ça. Oh là, mon Dieu, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. C'est super cute en vrai, avec le petit napperon qui cache. Et on a les couleurs associées. Ah, je vais devoir virer un de mes comptoirs, mais c'est pas bien grave. Je trouve ça trop choupi. Bah écoute, on va mettre ça en vert. On va le mettre là. Allez, clac clac. Voilà, ah, puis ça suit pas mal. Bon, c'est... Ouais, en fait, non, je vais peut-être pas le mettre en vert. Parce que le plan de travail suit parfaitement les couleurs. Oh, ça fait bien, ça fait vraiment intégré. Là par contre c'est cool parce que ça s'intègre parfaitement, il n'y a pas de rupture en fait. Et ça, il faut souligner que c'est peut-être la première fois qu'il y a un évier qui ne fait pas de rupture avec le plan de travail. En meuble de cuisine en hauteur, oui. Oh, avec les petits paniers, c'est trop chou. Ah ouais. Oh,
toutes les couleurs sont là, mais moi j'aime bien, moi je vous le dis. Allez, on va faire ça en vert. Je vais le mettre en vert ici. Et on va regarder les autres éléments. Oh, ah ouais. Genre c'est un truc de vaisselle quoi. Vous avez vu ça? C'est un truc de vaisselle. Genre on peut... Ouais, non vraiment. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah j'aime beaucoup. Ah ouais, ils ont carrément fait des éléments différents. Regardez ce meuble de coin qui a des petits... Oh là là, avec la petite boîte. Oh, c'est super cute. Bon, bien sûr, moi, ça ressemble à rien ici. Je vais pas le mettre, évidemment. Mais on va essayer de voir ce qu'il y a d'autre. On a ça, c'est un classique, mais il est sympathique avec toujours le petit napperon à l'intérieur. Le cabinet en entier est pas mal non plus. C'est pas mal non plus avec, on dirait, avec le truc qui s'ouvre et qui coulisse. Et le coin extérieur également avec les petites poêles qui pendouillent. Mais je trouve ça trop sympa en vrai. Je trouve ça trop sympa. Ça change, c'est varié en fait. On peut se faire des meubles hauts de cuisine avec vraiment pas juste toujours les mêmes fermés sans rien voir. Là on a vraiment des un petit peu de choses. Ça rend la chose plus vivante je pense. En petite décoration, il me dit qu'il y a de la décoration en plus. Je vais regarder ça. Oh, on a une boîte à fleurs pratique et esthétique. Faites-moi voir ça. C'est trop choupinet. Avec les fleurs qui changent de couleur. Oh, c'est vraiment cute. C'est vraiment super mignon. Ça, bah, moi, j'adore qu'il y a des plantes en plus. De toute façon, je suis fan. Donc, je valide complètement. On va les mettre là, par exemple. Allez, ce coloris-là qui est un peu fadasse, mais qui passe. Apparemment, il y a des nouveautés en sculpture. Oh, oh, mais c'est pas des sculptures, c'est juste des pots et des décorations. Ah, une petite bonbonne. Oh là là, pour se faire des petites cuisines aux petits oignons, c'est fini de te trouver galérer des trucs à chercher dans le debug cette fois-ci. On l'aura directement ici. On a un petit panier avec des fruits et des pommes dedans. C'est trop chou. Ça fait un peu vieillot, hein, rustique, hein, c'est le cas de le dire. Moi, j'aime bien. J'aime bien. En plus, j'aime bien tout ce qui est rustique et tout. Donc, bah, je vais pas vous mentir. Je trouve ça choupi. On a une boîte. On dirait une boîte un peu pour mettre... Ah, voilà, un pot à farine. C'est exactement ça. Un pot à farine. Oh là là. Bon, je vais m'extasier sur pas grand-chose. Mais moi, j'aime bien. Je vais vous dire. J'aime bien. Nous avons un deuxième pot. Une boîte à pain. Cette fois-ci, c'est une boîte à pain que nous avons. Oh là là, Pierre, c'est associé. Vous pouvez mettre tout de la même couleur ou varier un petit peu. Oh, avec le petit coq. C'est trop chouchou. Il y a des choses quand même, toujours de la colorie un peu plus sobre, histoire que vous pouvez mettre dans toutes les maisons que vous voulez. En dernier, on a la cocotte de mamie. Ah oui, c'est le petit plat comme ça, avec le couvercle. C'est trop cool. Ah, j'aime bien, ça va rajouter un petit peu de vie dans ces maisons, j'aime beaucoup. Bon écoutez, je pense qu'on a vu les éléments de ce kit de cuisine rustique. En vrai, j'aime bien, ça rapporte un petit charme de l'ancien, parce que, en plus, bon, moi personnellement, j'aime l'ancien. Forcément, si vous êtes plutôt moderne dans la décoration de vos Sims et de vos maisons de Sims, vous allez être un peu déçus. En tout cas, moi j'aime bien, ça donne vraiment un petit peu de chaleur, un petit peu de vécu. Et puis voilà, je trouvais les petits objets mignons comme tout. Donc n'hésitez pas à me commenter, liker et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à tenter de le gagner dans la description. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !